بدفعكم إلى مسح محركات البحث بحثاً عن سيرته. ألبرتو مانغويل، شكراً على إصرارك وتضامنك مع هذا الرجل. إنه الرجل المكتبة، عاشق التفاصيل، الذي أريد أن أدعوه لأهديه هذا المجسم لأشهر شخصية روائية تونسية ابتدعها الأدب التونسي، برجميل بن بشير قريب. أهديه لمنغويل الذي ألف كتابا عن الشخصيات الخيالية في الرواية العالمية، شخصيات مؤثرة، لعله يهتم به أيضا. سيد مانغويل، هذا دون كيشوت تونس، برجميل للرواية الكبير البشير خير. حواري بين ألبرتو مانغويل وآدم فتحي، والاهتمام كله من أيضا من المحاضرة التي كانت دمج المحاضرة والمحاورة. هذا خلاصة المسألة، فتفضل سيادة. أنا مرحبا بك أستاذ عمر، ومرحبا بالحاضرين والحاضرات. طبعا فيهم وفيهم من يقرأ الكتاب والبرنامج قرأك أكثر مني، ومن يستحق أن يكون من محاورتك، ولكن من حظي أن أكون هنا. لحظة أولية، تبدو لي أكثر شبابا من الكتاب الرابع. هل القراءة طريقة الشباب يعني؟ Vous ne devez pas juger un livre par sa couverture. Le thème dont je voulais vous parler, c'était de l'impossibilité de la littérature. La phrase n'est pas à moi,
mais à Mallarmé. Mallarmé qui parle de la muse de l'impossibilité sous laquelle tout écrivain écrit. Et j'ajouterai que tout lecteur lit. Parce que la tâche de la lecture et de l'écriture est de travailler avec l'instrument le plus faible que nous avons, qui est la langue. Nous, dans les sociétés du livre, nous habitons au sein de deux grands mythes. Le mythe de Adam, qui est mené par Dieu devant la création, et Dieu demande à Adam de nommer les animaux, et le nom que Adam donne aux animaux deviendra leur nom. Il y a bien sûr là-dedans une question assez profonde et complexe. Est-ce que Adam invente un nom pour le chien et donc le chien s'appelle sien, ou est-ce que Adam reconnut le mot chien dans l'animal qu'il voit? En tout cas, c'est un don que ce Dieu donne à Adam de employer le langage pour donner l'identité aux choses du monde. Ça, c'est le côté positif. Ensuite vient le mythe de Babel. Qu'est-ce qui arrive, vous souvenez, que quand nous avons l'ambition de construire une tour qui arrivera aux cieux, Dieu empêche la construction de cette tour en mélangeant, en divisant les langues, en créant le multiculturalisme. Mais en fait, cette malédiction supposée de Babel est en fait un autre don, parce que le chien nommé par Adam, qui avait ce mot « chien », tout à coup a ce même mot dans toutes les langues du monde, dans les langues anciennes et modernes, les langues disparues, les langues inventées, les langues à venir. Cette énormité de noms métaphoriques, parce que finalement ce sont des façons de nommer cet animal, devient la richesse avec laquelle nous travaillons quand nous faisons de la littérature. Mais nous travaillons au sein d'un grand paradoxe. La langue qui nous mène à nommer le chien, à raconter l'histoire du chien, à expliquer à les générations à venir ce que fut un chien, à éliminer l'obstacle du temps et de l'espace. Ce même instrument n'arrive pas, n'aboutit jamais à la perfection. Donc, nous avons en tête une histoire à raconter, une façon de nommer le monde, mais cette même langue, à cause de sa faiblesse, nous empêche de le nommer. Et nous sommes toujours sous cette muse de l'impossibilité et nous continuons à pousser à faire l'effort de nommer le monde pour le reconnaître, pour l'identifier et pour nous identifier nous-mêmes. J'ajouterai quelque chose. Il y a un autre danger dans cet étiquetage du monde. Quand nous donnons une identité à quelque chose, nous construisons une sorte de prison à cette chose qui lui donne une identité limitée. Quand nous parlons d'une nationalité, dire tunisienne, si nous parlons de homme ou femme, si nous parlons de juif ou musulman, nous donnons une identité qui limite la communication. La littérature,
fait l'effort de casser ses identités pour redonner au monde l'ambiguïté nécessaire pour que ça puisse progresser, pour que nous puissions continuer à avoir un dialogue. La littérature est un dialogue de questions ouvertes. C'est le dogme, le catéchisme qui donne des réponses. La littérature ne conclut jamais. Flaubert disait que la bêtise consiste dans le désir de conclure. Ne concluons pas. Laissons le dialogue ouvert. Allons chercher au-delà de l'horizon ce qui va être raconté. Et comme ça, d'une façon modeste, nous lecteurs et nous écrivains, donnons à cette littérature une certaine immortalité. الفكرة التي عبرت عنها حين تحدثت عن آدم وحيرته أمام تسمية الأشياء في الثقافة العربية الإسلامية آدم علم الأسماء كلها يعني واضحة الأمور ولكن مع ذلك سلالته ظلت عاجزة عن تسمية الكون بشكل الكافي وهذا يجرنا إلى النقطة الثانية أو المفهوم الثاني في محاضرتك تحدثنا عن مفهوم الاستحالة الأدب ولكن عندك أيضا مفهوم لانبيسانس مفهوم العجز هذا العجز المبني على مفارقة بين الرغبة في كتابة الكتاب الشامل le livre total و اليقين بان اللغه قاصره عن ذلك لا تستطيع الايفاء بذلك هذا العجز هل يعني كل الكتاب كل مبدع ام ذلك النوع الذي حاول على غرار مالارمي او فاليري نوعا ما ان يكون نوعا من الديميورج او خالق الاكوان او مصمم الاكوان هذا النوع اللي عنده نوع من الجنون العظمة أم أنه يعني كل كاتب وكل مبدع Mais ces écrivains auraient connu leur impuissance. Non, l'impuissance, ce sentiment d'impuissance ne s'applique pas à tous les écrivains. Ça s'applique seulement aux grands écrivains, les mauvais écrivains n'ont pas le sentiment d'impuissance. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Borges, parce qu'on doit toujours citer Borges. Borges disait que le concept d'œuvre définitive, d'une œuvre définitive, n'appartient que à la religion ou à la fatigue. Vous dites, bon, c'est fini, parce que j'en peux plus de corriger. En même temps, Borges était très conscient de ce sentiment d'impuissance. Il a un texte célèbre que vous connaissez sûrement, qui a un titre en anglais, Dream Tigers. Et Borges dit dans ce texte qu'à un moment du rêve, il sait qu'il est en train de rêver et donc il se dit, puisque je suis dans le rêve, je suis capable de tout faire, allons rêver un tigre. Il aimait beaucoup les tigres. Et Borges dit que même là, dans ce royaume de la toute-puissance, il se sent impuissant parce que le tigre apparaît où avec des malformations, ou trop brefs, ou avec des formes impossibles, où il dit, il faut que je dise ça en espagnol de l'Argentine, parce que c'est intraduisible, « tirando a perro o a pájaro », ça veut dire avec mine de chien ou d'oiseau. Il était conscient qu'il n'arrivait pas à construire ce qu'il voulait construire. Et il y a des nombreux textes de Borges
qui montrent ce thème de façon différente. Par exemple, le célèbre conte « Les ruines circulaires » où un mage va dans une île pour faire une cérémonie qui va lui permettre de rêver un être humain et le mettre au monde comme créature réelle. Finalement, il arrive à le faire. Cet homme qui est son fils existe dans le monde, mais il ne sait pas qu'il est un rêve. Il y a un incendie qui s'est produit sur l'île et la seule chose dont avec laquelle la créature rêvait, sait qu'elle est rêvée, c'est que le feu ne peut pas le toucher. L'incendie arrive et il engloutit le mage et il ne le touche pas. Donc le mage comprend que lui aussi est une créature rêvée. Nous sommes tous, nous le savons, c'est une très ancienne métaphore, des créatures de rêve. J'ai eu la fortune d'avoir comme ami le grand poète Mohamed Darwish. Et nous parlions beaucoup de Borges, parce qu'il était un grand lecteur de Borges. Mahmoud Darwish, oui. Et donc, à un certain moment, on parlait, parce que le thème revenait toujours, de exil. Et il disait que l'exil est un état symbolique qui est hérité par plusieurs peuples. Qu'à un moment donné, c'était les peuples anciens qui ont combattu avec les Grecs ou les Romains, qu'après c'était les Juifs en exil, qu'après aujourd'hui c'est le Palestinien. Et Darwish n'a pu voir ça, mais aujourd'hui c'est les Syriens par exemple, ou c'est les Mexicains qui essayent d'arriver aux États-Unis et ils ont leurs enfants arrachés de leurs bras et mis dans un camp de concentration. Parce que ça il faut dire, nous ne pouvons pas tout nommer, mais ça il faut le nommer. Aux États-Unis maintenant il y a un camp de concentration pour enfants. Pendant que nous sommes ici en train de parler de littérature, il y a des enfants qui sont séparés de leurs parents, qui souffrent, qui sont malmenés de exil. Et il disait que l'exil est un état symbolique qui est hérité par plusieurs peuples. Qu'à un moment donné, c'était les peuples anciens qui ont combattu avec les Grecs ou les Romains, qu'après c'était les Juifs en exil, qu'après aujourd'hui c'est le Palestinien. Et Darwish n'a pu voir ça, mais aujourd'hui c'est les Syriens par exemple, ou c'est les Mexicains qui essayent d'arriver aux États-Unis et ils ont leurs enfants arrachés de leurs bras et mis dans un camp de concentration. Parce que ça, il faut dire, nous ne pouvons pas tout nommer, mais ça, il faut le nommer. Aux États-Unis, maintenant, il y a un camp de concentration pour enfants. Pendant que nous sommes ici en train de parler de littérature, il y a des enfants qui sont séparés de leurs parents, qui souffrent, qui sont malmenés et qui seront traumatisés à vie. Donc, pardon ? Je disais qu'il y a un mur d'apartheid. Il y a le mur aussi. Oui, après Berlin, il fallait construire un autre mur. Ouais. Donc, ça a été construit aux États-Unis. Bien sûr, toutes ces choses sont là. Et pour Darwish, c'était l'incarnation d'un certain exil. Exil à un autre pays, exil intérieur, et qu'il faut comprendre l'importance symbolique de l'exil. Parce que ça conditionne notre identité. Nous parlions d'une identité qui est définie par étiquette. Mais ça, c'est une étiquette que nous voulons prendre et dire « nous sommes des exilés ». Il n'y a personne ou presque personne qui peut dire « j'appartiens à cette terre depuis toujours ».
Nous sommes tous venus d'une autre partie, mais nous n'avons pas souffert comme souffre le peuple palestinien aujourd'hui, d'être arrachés de leur maison, d'être enlevés de ces terres, et qui souffrent de tout le monde, ferme les yeux devant leur souffrance. Parce que si bien il y a certains intellectuels, certains politiciens qui parlent de cet exil, ces maltraitances des Palestiniens, il n'y a aucun gouvernement qui fait l'effort pour trouver une vraie solution. Il y a un journaliste israélien, Gordon Levy, qui a dit qu'il allait écrire un texte sur le problème. Et le texte s'est résumé à une phrase. Il n'y a pas de solution sans le retour des terres enlevées aux Palestiniens. Il n'y a pas de solution. الحوار معك صعب صعب أردت أن الحوار معك صعب لأنك رجل مكتبة ومكتبة على طريقة برخص كمتاهة يعني لابيرانتيك يعني ما فيهاش إمكانية لأنه هناك نقطة أردت التوقف عندها ولكن يبدو أني ستتجاوزها لأنك جررتني إلى نقاط أخرى ربما مهمة أيضا. النقطة الثانية اللي تجمع بين الاثنين هناك في محاضرتك وهنا نكمل مع المحاضرة مفهوم آخر تحدثت عنه وفي شكل مفارقة هو مفهوم الفشل واربط هنا مع مفهوم الإكزيل في علاقته بالوطن. أنت تقول في المحاضرة وأذكر عبارتك الفشل كما يفهمه الكتاب ليس المآل الوحيد لمشروع أدبي بل هو غايته ونجاحه الأقصى. هل يكون المنفى ايضا هو الوطن المنشود ام في علاقه مع هذا الفشل طبعا في شكل مفارقه بالمعنى الذي ذهبت اليه. Je disais que Borges parlait de cette impossibilité de l'écriture ou de la lecture qui mène donc à l'échec. Mais l'échec n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Stevenson, Robert... فسرلهم يعني مفارقة يعني النجاح الفشل كنجاح يعني بالنسبة إليك في الأدب فسرلنا أكثر. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est un concept mystique. Vous vous souvenez dans les poètes mystiques, que ce soit musulman ou chrétien, il y a le concept de l'échec qui mène à la chute. Et à la chute, c'est le moment qu'on a le moment d'illumination. Mais Robert Louis Stevenson disait une chose très belle. Il disait, notre mission dans la vie n'est pas de réussir, mais de mener à l'échec la tête bien haute. Nous sommes voués à l'échec, mais ça c'est notre richesse. Je reviens à ce que je disais, seulement les mauvaises œuvres littéraires ont des conclusions bien nettes. Bien lisse. C'est seulement une surface dans laquelle le lecteur ne peut pas entrer. Il glisse d'un côté, de la première page à la dernière et rien ne se passe parce que l'œuvre est bien ficelée et réussite. La bêtise, c'est de conclure. Oui. Parce que arriver à une conclusion, c'est bête, parce qu'il n'y a pas de conclusion. Il y a toujours de meilleures questions qui sont au-delà de la page. Comme on l'a dit, et je le reconnais, je suis un amoureux de la littérature, je suis un amoureux des livres, je suis un amoureux
des bibliothèques. C'est des espaces où je me reconnais et c'était mon expérience première. Tout enfant, j'ai eu une enfance assez solitaire et le monde m'est venu à travers les livres. Donc avant l'âge de 8 ans, j'ai connu la mort, j'ai connu le voyage, j'ai connu l'amour, l'amitié, tout par les livres, ça me racontait le monde. Donc après, quand ces choses, la mort n'est pas encore venue, mais bon, le dernier chapitre m'attend. Mais toutes ces choses, quand elles sont arrivées dans ma vie, j'avais des mots pour les nommer. Et des mots qui m'avaient été donnés par Racine, par Darwish, par Flaubert, par Borges. Nous, lecteurs, nous avons cette énorme chance que nous pouvons profiter de l'expérience des autres, que nous pouvons savoir ce qui sont les grandes tragédies de ce monde, sans nécessairement les subir en chair propre, parce que nous pouvons les lire, nous pouvons partager ces émotions. Il y a le sentiment d'empathie qui est essentiel à la lecture. Des chercheurs ont conclu que l'empathie, les normes sociales, la façon de se conduire avec les autres, ça prend beaucoup mieux dans la fiction que dans, à l'école ou dans la vie courante. C'est la fiction qui nous apprend à pleurer avec Madame Bovary, à souffrir avec Andromaque, à aller chercher au bout du monde notre vrai chez-moi comme Ulysse. Donc, la littérature est essentielle parce qu'elle nous ouvre les portes au monde, nous donne les mots pour nommer ce monde et pour nommer nous-mêmes. Jamil, نتوقف أو نكتفي بهذه النقاط فيما يخص محاضرتك وأكيد أن بيت الرواية سيتولى نشرها ولكن في السياق نفسه سنطرح بعض الأسئلة التي تهم محاضرتك الأخرى وأعمالك الأخرى. أخذتنا قبل قليل إلى بورخس ومعظمنا من قرائه، لاحظنا أنه حاور في الكثير من نصوصه الكثير من الآثار العربية الإسلامية بداية من وكما نوه بشخصيات كبيرة ومهمة بداية من ابن سينا وابن رشد مرورا بالقزويني والجاحظ وجلال الدين الرومي والخيام وغيرهم من أعلام هذه الثقافة. طبعا دون أن ننسى ألف ليلة وليلة وما أدراك ما ألف ليلة وليلة بالنسبة إلى بورخس، لكن وهي طبعا أسماء مهمة نعتز بها ومرحلة مهمة نعتز بها، لكن تقريبا لا شيء بعد ذلك، وكأن المدونة الثقافية العربية الإسلامية توقفت عند هذا الحد بالنسبة إلى بورخس. كيف تفسر هذا الأمر؟ J'ai mal entendu si la question elle-même. De Borges. De ses références à la littérature arabe. Bien sûr. D'accord. D'accord. Pour Borges, la littérature n'a pas de nationalité. La littérature doit se lire comme anonyme. Un texte écrit au XXIe siècle en Tunisie, s'il est bon, doit parler à un lecteur chinois du XXVe siècle. Exactement. Et Homère, s'il a existé ou non, il nous parle, nous. Je vous raconte une anecdote qui a ému beaucoup Borges. La Colombie a le meilleur système de bibliothèque de l'Amérique latine. Je dis ça en pleine connaissance de mon pays, l'Argentine. À un moment donné,
À un moment donné, ils ont inventé un système pour amener les bibliothèques dans les coins les plus reculés du pays, au dos de ânes. Et donc, ces bibliothèques portatives s'appellent biblioburros. Et ces biblioburros menaient des livres dans des coins très reculés. Et c'était surtout des livres pratiques, des livres de cuisine, des livres de jardinage, aussi quelques collections de poèmes et parfois une œuvre littéraire. Et tous les livres s'étaient rendus, toujours. Une bibliothécaire m'a raconté qu'une fois, il y a un livre qui n'est pas retourné de la jungle colombienne, au milieu des guerres des narcotrafiquants et la FARC et les paramilitaires. Et ce livre était l'Iliade, dans une traduction en espagnol. Alors, elle est allée voir les gens du village et elle leur a demandé, très bien, gardez le livre, mais pourquoi vous avez gardé ce livre-là? Et lui a répondu, parce que c'est notre histoire. C'est notre histoire, nous vivons dans une guerre qui n'a pas de sens, sous des dieux qui sont fous, et nous souffrons ces mêmes souffrances. Pour moi, c'était pour Borges aussi l'exemple parfait de l'immortalité de la littérature. La littérature qui, si elle est profondément humaine, si elle est vraiment une œuvre, une œuvre d'art, elle peut nous parler à travers les frontières, à travers les idéologies politiques, à travers les religions, à travers tous ceux qui essayent de nous séparer. Il y a un poète arabe, je ne me souviens pas maintenant malheureusement de son nom, à mon âge je perds la mémoire, qui en parlant des peuples arabes, il avait écrit que ces peuples sont séparés, mais qu'ils ont en commun la mère qui est la littérature. Et je crois que ça peut s'appliquer à l'humanité tout entière. Notre mère commune est la littérature. Et l'histoire de Ulysse, et l'histoire du petit chaperon rouge, et l'histoire des mille et une nuits nous racontent nos vies à nous tous et ont été écrites pour nous tous. ما قلته لا نختلف فيه يعني كلنا متفقون هذا ليس فيه أي نقاش الأدب هو الوطن الذي ربما وطن الأوطان الذي يجمعنا الإبداع بشكل عام لكن لم تجبني في الواقع على السؤال ومضطر للإلحاح لأهميته ولأنه قد يذهب بنا إلى مواضيع أخرى مهمة أيضا أعود إليه بطريقة أخرى. أنت مثلا بالمقارنة مع بورخس تناولت بلوتارك أو هومير أو يعني تناولت مبدعين يعودون إلى قرون بعيدة ولكنك تناولت أيضا محمود درويش تناولت إدوارد سعيد تناولت سنان أنطول تناولت رشيد بوجدرة. Je vous parlais d'Edouard Saïd. Non, يعني قصدي تطرقت إلى هؤلاء ذكرت مثلاً أدب رشيد بوجدرة ذكرت أدباء حديثين يعني معاصرين لك في حين أن بورخس توقف عند الحدود ألف ليلة وليلة وتلك المدونة أنا قصدي هنا يعني أن أستدرجك إلى موضوع مهم. الاستشراق في كل هذا سواء كان معلنا أو غير معلن يعني هل هي فعلا مسألة ذائقة ومسألة ترجمة أم أن هناك شيئا من الاستشراق وهو يتطور أو وهو يتوارى يعني هذا هو صميم الموضوع La question est complexe et la réponse doit être complexe aussi. Je répète ce que je disais. Borges ne s'intéressait pas
au fait qu'un texte venait du monde arabe ou du monde chrétien ou du monde anglophone. Il s'intéressait au texte et donc il allait trouver des textes un peu partout. La littérature contemporaine, il la lisait ou il se faisait lire les livres de ses contemporains. Mais il avait l'habitude de ne parler de ce qu'il n'aimait pas. Parfois, s'il arrivait à parler de textes qu'il n'aimait pas, il était féroce. Il était féroce. Ernesto Sabato, qui était un grand romancier argentin, avait publié son roman Alejandra en espagnol, Sobre héroes y tumbas, en France, avec un bandeau qui disait Sabato, le seul rival de Borges. Et Borges a vu ça et il a dit, ah, comme il est intelligent Sabato, j'aurais jamais imaginé un maître Borges, le seul rival de Sabato. Il faut comprendre que pour lui, chaque lecteur fait son choix et on n'est pas obligé à aimer un livre parce qu'il est censé être argentin ou classique ou notoire. Borges disait que la littérature et la lecture ne peuvent jamais être obligatoires parce que le bonheur ne peut pas être obligatoire. Donc, ça justifie en quelque sorte le fait que ce que vous appelez une vision un peu orientaliste de la littérature de langue arabe s'applique peut-être à Borges, mais je crois qu'on trouverait dans l'œuvre de Borges beaucoup d'exemples qui montrent exactement le contraire. Quand il parlait dans un texte des années 40-50 sur l'identité littéraire argentine, et pour expliquer que l'Argentin n'avait pas besoin d'écrire sur les gauchos et les pampas pour être argentin, qu'il suffisait d'être argentin pour être universel, pour choisir parmi les ancêtres d'un écrivain argentin, Shakespeare ou Cervantes ou n'importe qui. Il a pris comme exemple le Coran et il dit que pour lui, le livre le plus arabe qui est le Coran a la couleur locale, les chameaux, les choses que vous attendiez comme un orientaliste de livres arabes. Donc, il était très conscient de cela. Et je pense que ça l'amuserait de voir que quelqu'un comme Edouard Saïd met cette vision dans une perspective d'étiquetage, appeler une lecture à partir de l'étranger comme orientalisme. Parce que la chose peut être inversée aussi. Moi, aujourd'hui, je suis étonné de voir que des lecteurs dans des cultures très littéraires, comme par exemple les pays baltiques, ou l'Italie, ou l'Amérique du Sud, ou les pays arabes, regardent avec énorme admiration les jeunes écrivains américains, qui pour moi sont des auteurs de formules, qui sont éduqués dans des écoles de creative writing et qui écrivent de la même façon, sur le même modèle, sur le même thème, qui ne sont pas universels. Parce que oui, on peut écrire comme peut le faire, vous avez parlé de Boudjedra,
des personnages très ancrés dans leur réalité, mais pour eux, la réalité est une famille dysfonctionnelle de Brooklyn qui n'a pas des échos profondes humaines, sauf dans le champ des best-sellers. Donc, pour moi, c'est une sorte de, si pas orientalisme, un occidentalisme qui est très, très nocif, parce qu'il fait perdre la confiance dans votre voix à vous. Et savoir que ce qui compte est votre voix, votre façon de parler, et que nous sommes la langue que nous parlons. Notre langue nous définit. Et imiter la langue anglaise en Amérique est une forme de prostitution intellectuelle qui ne bénéficie personne. لأصدقائي وصديقاتي في القاعة لن ألح عليك. لا يوجد pas de conversation sans digression. لن ألح عليك, هذا من حقي الضيافة لك علي, ومن بعد تولي صاحب دار, يعني مو لدار, لن يكون هناك. لن ألح إذا على هذا السؤال كي أجد الوقت لأسئلة أخرى. ولعل اللي في القاعة يواصلون معك في هذا الموضوع. أما يبدو أنك تحب رقص معي, تحب برقص كثير, تحبه كثير. طيب, أذهب إلى نقطة أخرى مهمة وجدية وعلى جانب من الأهمية. في محاضرة لك بعنوان أين المثقفون, نشرتها سنة 2019, عدت إلى بول نيزان في كتابه كلاب الحراسة, عدت إلى إدوارد سعيد في نظرته المثقف, تحدثت عن ضرورة شهادة المثقف في الأوقات الحرجة dans les temps critiques, يعني le témoignage dans les temps critiques, واستشهدت بنص جميل هو افتتاحية لشارل بلو في نيويورك تايمز. أريد أن أقرأه عليك بالفرنسية حتى تكون الأمور واضحة كما أوردته. Où étiez-vous, moi je les intellectuels, où étiez-vous lorsque des corps flottaient sur le Rio Grande? Qu'avez-vous dit lorsque ce président se vantait d'avoir agressé des femmes et défendait des hommes accusés de semblables violences? Quelle a été votre réaction lorsqu'il a dit qu'il voyait des gens très bien au nombre des nazis? Il est écrit. ماذا لو وضعنا اسم فلسطين أو الضفة أو غزة محل ريو جراندي؟ ألا يصح السؤال نفسه؟ أين أنتم أيها المثقفون؟ وهذا السؤال موجه إلى مثقفي العالم كله. يعني هل ألا ترى أن هذه المفاهيم الرائعة تصبح خافتة الصوت كلما تعلق الأمر بفلسطين. Mais c'est exactement ce que je disais, que les politiciens, les intellectuels, de temps en temps font une mention de la Palestine. Mais ce n'est pas un cri uni contre une injustice énorme. Excusez-moi de raconter une histoire personnelle. J'étais le directeur de la Bibliothèque nationale de l'Argentine pendant presque 3 ans. Parmi les choses que nous avons faites, c'est quand Poutine a fermé la bibliothèque ukrainienne de Moscou et mis en prison la directrice, nous avons ouvert une bibliothèque ukrainienne au sein de la Bibliothèque nationale de l'Argentine. Et nous lui avons donné le nom de cette directrice. Ce sont des choses que nous pouvons faire. Et l'idée que j'avais était de créer la Bibliothèque nationale de la Palestine.
au 21e siècle, ça peut se faire, mais ça peut se faire. C'est très important parce qu'une bibliothèque nationale est l'identité et la mémoire de son peuple. Et la Palestine n'a pas une bibliothèque nationale, mais elle n'a pas besoin d'un site physique. Aujourd'hui, on peut faire une bibliothèque nationale virtuelle. Et c'est ça que j'ai essayé. J'ai écrit à plusieurs personnes importantes au sein du gouvernement palestinien, mais il y avait tellement de dissensions, de discussions, on n'a jamais pu se mettre d'accord. Je disais, la Bibliothèque nationale de l'Argentine vous garantit, vous parraine cette entreprise. Et j'ai eu l'accord de la Bibliothèque du Congrès de Washington, la Bibliothèque nationale des États-Unis, la Bibliothèque de France, la Bibliothèque, la British Library, et deux, trois autres où les directeurs, les directrices ont été d'accord pour former une sorte de comité d'appui à la Bibliothèque nationale de Palestine. Mais nous ne pouvions pas la créer nous-mêmes. Ça devait venir des Palestiniens. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Je ne suis plus au poste. Mais je vous encourage de faire de sorte que la Bibliothèque nationale de Palestine existe. C'est quelque chose qui va dire au monde, il y a ce peuple est vivant, et toute injustice ne fera de ce peuple que ce que les Romains ont fait des Carthages. جناح ايضا يتسلل الى الميدان ان شاء الله الترجمه وصلت يعني اريد ان اختم في هذه النقطه وهي واضحه بفكره ايضا يعني حتى تكون واضحه للجميع اعود الى كتاب بول ديزون كلاب الحراسه وانصح من لم يقراه بقراءته تصوروا هذا الكتاب ألف سنة 1932 وكأنه ألف اليوم ولنا اليوم يقول حين تصبح الحرب فكرة تختفي الحرب من الواقع حين تصبح الحرب فكرة تختفي الحرب من الواقع يعني نصبح وكأننا لسنا أمام بشاعة وأمام فظاع بل أمام اختلاف في وجهات النظر يعني هنا وأريد منك الإلحاح أنا أعرف موقفك ولكن أريد منك أن يتضح أكثر ألا ترى أن جانبا من المثقفين فعلا لا يعني يقول ويصدع في كل الأشياء ولكن عندما تتعلق الأمور بأشياء في فظاعة وبشاعة ما يحدث في فلسطين لدرجة أنه حتى انتقاد الصهيونية أصبح يعتبر يعني اعتداء على السامية أو معاداة للسامية يصبحون خافتي الصوت ومحتشمين وكأنهم يعني الفتاة البكر عند الزواج Mais là, de nouveau, nous sommes dans une question d'étiquetage, non? Dire que tous les Tunisiens sont des extrémistes islamistes, dire que tous les Juifs sont des sionistes, dire que tous les chrétiens appuient l'inquisition, ça n'aide pas ni au dialogue ni à la pensée claire. Ça mène à la stigmatisation et au dogme. Ça n'apporte aucune solution. Oui. Mais vous pouvez prendre comme exemple des grands écrivains israéliens comme David Grossman ou le feu Amos Oz qui étaient complètement du côté des Palestiniens qui étaient contre ce gouvernement fasciste. واضح واضح موقفك وواضح الفكره يبدو لي هكا نمر الى بعض النقاط الاخرى وقريبا يعني نخلي لكم الكلمه
رأينا كيف تدرج بنا الحديث مع هذا الرجل المكتبة إلى أمور حضارية وحتى سياسية. يعني في آخر التحليل تقول أنت في واحد من أطرف كتبك وللأسف ولم يبدو لي لم يترجم حتى الآن، وهو من أهم، أنا أعتبره من أهم كتبك اللي هو بينوكيو إي روبنسو. هذا أيضا يعني أحث كل أصدقائي وصديقاتي على الاطلاع عليه، بينوكيو وروبنسو. هذا الكتاب تطرح فيه مسألة موقع الكتاب في هذه المرحلة، وتقول بشكل واضح الكتاب في خطر، وأن الخطر الذي يتهدده هو أن هناك أطرافا تتحالف لتعميم ما تسميه لميزان انتلكتوال، البؤس الثقافي. فأعطيني بسطة على هذا الموضوع. Disons que je le dirais d'une façon un peu différente. Dans les sociétés de l'écrit, parce qu'il y a évidemment des cultures très importantes qui survivent sans l'écrit. Donc il faut faire cette distinction. Dans les cultures de l'écrit, la façon de communiquer, d'être citoyen est à travers l'écriture et la lecture. Mais il y a des différentes façons de lire. Il y a une façon qui vous permet de comprendre les indications, tourner à gauche, tourner à droite, le nom d'une rue. Il y a la possibilité de communiquer à un premier niveau avec un texte. Mais le troisième niveau de lecture, la lecture profonde, la lecture qui vous permet d'être un protagoniste du texte, d'entrer dans le texte, d'être ce personnage implicite dans le texte avec lequel le texte change et se transforme, ce troisième niveau n'est pas encouragé dans la plupart de nos sociétés. Pourquoi ? Parce que cet entraînement à la lecture profonde mène à la réflexion. Et il y a peu de gouvernements qui veulent avoir un peuple qui est penseur, qui est intelligent. Nos systèmes d'éducation, dans la plupart des sociétés, sont des systèmes qui veulent éduquer dans la stupidité, qui veulent faire que l'enfant perde confiance dans son intelligence à lui ou à elle et accepte le langage publicitaire de la société qui étouffe la pensée, qui étouffe l'imagination. Les écoles devraient être des champs où l'imagination peut courir librement, peut se développer. Mais en lieu de ça, les écoles se transforment en lieu d'entraînement pour des entreprises, pour des bureaux. Nous faisons de nos propres enfants des esclaves. Dressage. Oui, et c'est un dressage, tout à fait. C'est un dressage pour travailler dans les usines, dans les bureaux, etc. Et donc, nous devons, nous lecteurs, faire cet effort de montrer la générosité, la liberté de la lecture et le pouvoir du lecteur. Le pouvoir du lecteur. Nous sommes, nous lecteurs, nous avons des pouvoirs extraordinaires qui nous permettent de transformer le monde, de récupérer l'expérience passée, de la traduire en expérience future et faire de sorte que nous puissions habiter un monde pour nos enfants un peu plus juste, un peu plus heureux. Wa 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 nahnu ma'aka fi hadhihi al-fi hadhihi al-umur.
نقطتين تقريبا اخيرتين او ثلاثه نقطتين il y a toujours une autre question تتحدث يعني عن 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 هذا هذا هذه الضروره ضروره القراءه واعطاء السلطه والحضور للقارئ الى اخره يعني ما الحل ونحن في هذا السياق العام انت مثلا تتحدث عن مربيتك التي علمتك الحكايات وقرات لك الشعر تكوفرنانت يعني غوفرنانت حتى التي علمتك كثير وربتك على الحكاية والاطلاع وغيره وبعد ذلك عرضت عليك كتبا الآن المربية اختفت الجدة كادت تندثر الحكواتي أو المحدث اللي في العائلة العائلة تفككت العائلة نفسها تفككت الوقت أصبح مفترسا من طرف الفيديو ألعاب الفيديو يعني من أين سيأتي قارئ اليوم أو المستقبل بهذا الوقت المستقطع كي نعود به إلى القراءة ما هي الحلول في نظرك؟ Surtout pas dans le temps mort. Surtout pas dans le temps mort. L'excuse que nous donnons, ah, j'ai pas le temps de lire, est seulement ça, une excuse. Parce que ce temps, nous l'employons pour un tas d'autres choses. Et nous faisons un choix. Mais je veux revenir sur ce que vous disiez. Ce n'est pas la faute de la technologie. Chaque époque a sa nouvelle technologie. Nous sommes dans une technologie très riche qui nous permet d'accéder à des centaines de milliers de choses, qui nous permet de communiquer à travers la voix, l'image, le texte, tout ça combiné, et qui, si elle est bien employée, elle peut servir à la création artistique ou à la révolution politique. Nous savons jusqu'à quel point l'électronique a servi pour le mouvement révolutionnaire. Le problème, c'est que nous prenons la question de la lecture hors contexte. Nous disons, ah, les jeunes ne lisent pas, comment dois-je faire pour que mon enfant devienne lecteur? Bon. Deux, trois choses à ce propos. On ne peut pas faire qu'un lecteur, qu'une personne devienne lecteur ou lectrice. On ne peut pas obliger à quelqu'un à tomber amoureux. Vous pouvez lui présenter 40 000 personnes. S'il n'y a pas le déclic, ça ne se fait pas. Donc, c'est une question de communiquer votre passion. Et ça peut arriver un cas sur 10, mais déjà vous aurez créé un autre lecteur par votre passion. Mais à cela s'ajoute un problème très grave. Je disais que nous prenons la question hors contexte. Le contexte est de la société tout entière. Nous sommes dans une société de consommation. Et cette société de consommation nécessite des citoyens idiots qui peuvent dépenser 500 dollars pour une paire de jeans déchirés. Non, mais plus déchirés, une chose que vous jetterez à la poubelle, vous l'achetez pour 500. Donc, il faut que cette personne ne réfléchisse pas. Or, les lecteurs réfléchissent. Un vrai lecteur ne le ferait pas, se demanderait, comme le faisaient les Romains, cui bono, à qui bénéficie ça, ce geste. Mais cette société de consommation, pour survivre, nécessite imposer surtout deux valeurs. La valeur de la facilité et la valeur de la rapidité. Tout ce qui est rapide et facile, c'est vendre. Or, la lecture
est une entreprise lente et difficile. Difficile dans le sens que donner les anciens à la difficulté. Un chemin est difficile pour atteindre le plaisir. Il n'y a pas de chemin facile ni aux cieux, ni à l'atteinte de nos amours ou de nos meilleures résolutions. Donc, comment vendre un produit qui est lent et difficile dans une société qui se vante de la facilité et la rapidité? Vous n'allez pas réussir. Donc c'est peut-être une question, comme je disais, de contagion de passion, mais il n'y a pas une solution unique à la lecture si nous ne changeons pas la société dans laquelle nous vivons. Bon. Par la lecture, c'est un moyen, par la lecture, mais il faut aussi prendre ses responsabilités. La lecture n'est pas, comme vous le savez, de s'allonger avec un livre et passer le temps. La lecture vous met le nez dans la réalité. Et nous sommes dans une réalité, nous sommes en train de détruire le monde. Bon, les scientifiques nous l'ont dit, la date est déjà dépassée. Et nous continuons à faire la même chose avec des excuses qu'un enfant n'accepterait pas. Comment changer ça? Je n'ai pas la solution. Je continue à lire, je continue à voir l'espoir parce que je vois ces jeunes qui lisent et peut-être ils vont trouver une façon de survivre. Mais je sens que chaque fois que je parle en public, je me dois à m'excuser de ma génération devant les jeunes pour le monde que nous lui laissons. كل إجابة تثير المزيد من الأسئلة كل إجابة تثير المزيد من الأسئلة ولكن لابد مما ليس منه بد سؤال أخير في نقطتين تقول في إحدى محاضراتك بعنوان لا ميثود شهرزاد أو لي بوفوار دو رومان لا ميثود شهرزاد أو لي بوفوار دو رومان إن للرواية قدرات وأدوار إلى آخره ما هي في عجالة وحتى لا يغضب مني أصدقائي وزملائي الشعراء إذا كان لشهرزاد الحكاء ميثود يعني منهج أو طريقة فهل هناك لا ميثود عمر ولا ميثود دانتي يعني أم أن للشعر خصوصية أخرى وليس له قدرات Là encore, nous revenons à l'étiquetage, qui est très utile pour faciliter la conversation, et surtout dans une bibliothèque et à l'université, vous avez besoin d'étiquettes, donc dire ceci est poésie, ceci est un essai, ceci est une biographie. Mais en principe, au début de la littérature était toutes ces choses-là. L'épopée de Gilgamesh est roman, récit, histoire, poésie. Rimérythmé. Oui, tout à fait. Donc, nous ne devons pas, je crois, ce n'est pas utile de diviser les genres en littérature. Borges a lutté toute sa vie contre ça, en écrivant des fictions qui semblaient des essais qui prenaient des éléments de fiction, des poésies qui racontaient des histoires, et ainsi de suite. La méthode de Scheherazade est tout simplement une méthode de survie. Nous, comme espèce, nous avons développé dans la nuit des temps le pouvoir de l'imagination. Et ce pouvoir nous permet de survivre dans le monde en créant des expériences sans les avoir, c'est-à-dire en imaginant ce qui est au-delà de l'horizon, ce qui va se passer si nous mettions la main dans le feu sans arriver à le faire. Et cette imagination et cette création d'expériences
dans l'imagination nous mène à raconter des histoires. Et donc la méthode de Chéressa de raconter des histoires est vraiment une méthode de survie. Dans le cas de Chéressa, c'est sa vie à elle qui est en cause. Mais pour nous tous, raconter des histoires nous aide à survivre. Et nous le savons. Dans des camps de concentration, dans les prisons, dans au milieu des guerres, le fait de raconter des histoires, de dire de la poésie. J'étais, il y a fort longtemps, en Irak et après au Yémen, et dans le danger le plus grand, dans la misère le plus grande, les gens se réunissaient et se disaient des poèmes. Et la même chose m'est arrivée en Colombie pendant la guerre des narcotrafiquants. Il y a quelque chose dans la littérature que je n'arrive pas à définir qui nous donne de l'espoir en nous disant nous sommes capables d'imaginer mieux, d'imaginer au-delà de la situation que nous vivons maintenant. Et peut-être ça nous sauvera, mais ce n'est pas garanti. Il y a une dernière question. Il y en a tellement, mais il faut donner la parole à nos amis. Et donc, قلت سعيد بهذا الحوار والحوار معك ممتع ولا يمكن أن يفيه حقه في هذا الوقت القصير. أرجو أننا كنا بما يكفي من العمق وبما يكفي من خفة الظل على أصدقائنا وصديقاتنا في القاعة. وأترك لك كلمة أخيرة قبل أن ننتقل إلى أسئلة الأصدقاء. إذا كانت لك نقطة أخيرة تريد أن تتطرق إليها تفضل. Non, la bêtise consiste en le désir de conclure. Je crois qu'il y a un micro là pour monsieur, madame. Et ici. Ça marche pas. D'accord. Et le micro baladeur de la bibliothèque, Hat. ولكن إمكانية الأدب. لا دوستويفسكي
كان بغير روسيا ولكن فهم التغيير من دوستوفسكي أو توغوليف ولا توماس مان غير ألمانيا ولا الأدب سوى تعليق عما حدث. إذا المبالغة نجيب محفوظ قال لي لا، جاك ريكتا قال لي لا، المبالغة من قبل أصحاب الأدب في قدرتهم التغييرية ينبغي إعادة النظر فيها. لا شكسبير كان بيكتب أدب كان متصور ولا بوكتورا من ده حاجة كويسة. شكرا. Je n'ai pas compris. Moi non plus, mais par rapport à la capacité de la littérature juive, est-ce que la littérature est capable de changer le monde? D'accord. J'ai résumé. La littérature n'est pas capable de changer le monde. Mais les lecteurs, en tant que citoyens, sont capables. Merci à vous tous, merci pour notre grand invité, Albert Emmanuel, c'est la même chose. Merci pour la cette organisation, merci pour vous tous. Je veux poser une petite question pour dire que écrire, c'est mourir pour renaître et revivre encore une fois. C'est ce que je dis toujours. Ceci me pousse à vous dire que vous qui venez d'une grande civilisation ancienne dans, si vous voulez, le Pérou, Chili, je parle de la civilisation de l'Inca, et je parle exactement de l'oiseau que vous appelez Inca et qui ne vit que sur les rives et les côtes de Chili et de Pérou, et qui vous ressemble, ou vous le ressemblez parce que c'est, ça s'appelle l'oiseau bleu à la moustache blanche. Oui, ça c'est... Ces mythes, ces légendes, c'est l'inspiration pour l'auteur, pour le poète, pour l'écrivain. Je demande à quel point votre inspiration de ces légendes et de ces mythes est-elle présente dans vos écritures, c'est-à-dire à quel point vous appelez le passé pour écrire le présent, c'est-à-dire pour lutter contre le sionisme, pour lutter contre le mondialisme, pour être universel et être universel, c'est-à-dire c'est partir de l'étroite, c'est partir de la ville natale, c'est partir du village natal. Vous qui êtes venu et merci encore une fois. Merci. Merci. Je dois vous contredire un peu parce que je n'ai pas de ville natale. S'il vous plaît, une dame, après. Je tiens à la parité. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes? Je dois vous contredire parce que le sort a voulu que je n'aille pas de ville natale. Je suis né en Argentine, c'est vrai. Mes parents étaient la première génération d'Argentins de leur famille. Mais à deux mois, je suis parti parce que mon père était ambassadeur. Je suis revenu à Buenos Aires à l'âge de 8 ans. Je suis reparti à 19 ans. Et j'ai vécu ensuite partout en Europe, dans les mers du Sud, au Canada et ainsi de suite. Donc, si j'avais à dire quelles sont mes racines sont dans ma bibliothèque. Et le grand Aboudalef Kilito a dit « Je parle toutes les langues, mais en arabe. Je parle
toutes les langues, je lis tous les livres à travers mes langues qui sont plusieurs. Abdel Fattah qui lit tout. Si, excusez-moi, ma prononciation. On a compris. Il s'agit de Kilito. Oui. Marocain. Donc, voilà, pour dire que les racines sont dans la bibliothèque. Et les mythes péruviens, chiliens, je connais beaucoup moins que le mythe sumérien ou les mythes grecs. Donc, on bâtit sa maison avec ce qu'on a, avec les pierres qui sont autour, les bouts de bois qui sont autour, et ce que sont mes livres vient de cela. Je construis avec des citations. Saoudite pour intervenir dans un festival de la lecture. Avec les mesures de censure et de restrictions, surtout pour les femmes de ce pays, je m'étais demandé s'il fallait y aller et je me suis dit qu'il fallait, parce que le dialogue est toujours meilleur que le silence. Et je me suis trouvé devant un événement extraordinaire. Les organisateurs étaient allés dans les écoles primaires, secondaires et les universités pour choisir des élèves qui étaient lecteurs, qui faisaient des concours entre eux pour choisir le meilleur lecteur, et chacun des eux et elles choisissait un livre sans censure. La censure religieuse avait interdit des livres, certains livres de théologie, mais ils avaient laissé dans les librairies, je les ai vus, les œuvres de Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir, ainsi de suite. J'étais ému comme jamais de ma vie de voir, par exemple, une fille. Je vous décris la salle. La salle était divisée hommes-femmes. Les femmes étaient une masse noire. On ne voyait rien sauf parfois les yeux. Et les hommes étaient assis en chemise très confortablement. Mais les filles et les garçons qui venaient parler de leur lecture avaient fait des choix que je ne comprenais pas comment ils avaient trouvé ça. Un garçon parlait du roman de Orwell 1984. Une fille avait choisi
les deuxièmes sexes de Simone de Beauvoir. Mais vous imaginez, en Arabie Saoudite, une femme qui parle de sa lecture de ça. Et je me suis dit, voilà la preuve que la lecture ne peut être contenue, censurée. À la fin, le lecteur va trouver une façon de s'échapper, de lire et de penser à des choses meilleures. Je ne sais pas, évidemment, ce qui s'est passé avec ses élèves, si jamais cette fille, avec cette lecture, a pu transformer quelque chose dans ce pays. Mais au moins, c'était la preuve de que la lutte, la vie était là et que l'imagination ne s'est laissée pas dompter. Salam alaykoum, ana wa salam. Pardon. أرجع في طاولتكم. Il faut jamais conclure dans la littérature. Il faut jamais conclure un texte littéraire. هل يمكن أن نفهم من هنا أنك تدخل إلى ميدان الفلسفة؟ لأن هذه مسألة فلسفية. أن الفلسفة تبقى مفتوحة. فهل هناك عندكم في تجربتكم علاقة كبيرة بين الأدب والفلسفة؟ وما الذي أحببتم من الكتابات الفلسفية الروايات الفلسفية الجميلة في العالم؟ وشكرا. La question est excellente parce qu'elle me permet de parler d'un autre pouvoir du lecteur qui est très très important, qui est d'élargir et transformer un texte. Donc je peux lire Le Petit Chaperon Rouge, l'histoire de cette petite fille qui, en lieu d'aller directement à la maison de sa grand-mère apporter les gâteaux, va dans la forêt cueillir des fleurs et s'est fait attraper par les loups et tout ça, comme un conte de fées pour enfants, ou, comme je le lis, comme un exemple de désobéissance civile. Pour moi, Le Petit Chaperon Rouge est un personnage qui montre comment on doit choisir son propre chemin, choisir sa propre vie. Et si les autorités vous disent « allez en ligne droite », vous avez le droit de choisir un chemin autre. Donc, cette transformation d'un texte littéraire dans un texte philosophique, comme vous dites, est dans le pouvoir du lecteur. Mais il y a un autre aspect de cette idée de ne pas conclure. Quand vous finissez, je ne sais pas, n'importe quel roman, Don Quichotte, et à la fin de la deuxième partie, Don Quichotte meurt. Mais Don Quichotte ne meurt pas pour le lecteur. Don Quichotte continue en vie. Don Quichotte est présent chaque fois qu'il y a une injustice dans le monde. Le lecteur se souvient, ah oui, Don Quichotte allait à l'encontre de ces injustices et il ne trouvait pas toujours la meilleure solution. Mais l'important, c'est ne pas le succès de l'entreprise, mais la volonté de cet homme lecteur, de se mettre face à l'injustice et faire quelque chose. Nous revenons à ce que nous disons. Nous devons faire quelque chose. On ne doit pas rester en silence et fermer les yeux devant les injustices. Et ça, c'est ce qui permet que l'œuvre reste ouverte. Cette fameuse idée des années 60 de l'œuvre ouverte. Elle continue vrai pour tout lecteur qui veut continuer avec le personnage qu'il aime, qu'elle aime, au-delà de la dernière page. Excusez-moi, est-ce que je me permets une remarque? Je vous en prie. Je pense que la littérature, même classique, même dans son format de tragédie grecque, achevée, fermée, est toujours ouverte parce qu'il y a de l'indécidable. Oui. Dans le texte, dans chaque texte littéraire. Oui, oui. Donc, l'indécidable tragique consiste
au fait que le personnage n'est ni fautif ni innocent. Oh oui, bien sûr. La fameuse Amatia. Ah, voilà. Absolument. Et c'est primordial, c'est essentiel dans la littérature. Elle est toujours ouverte. Elle pose toujours des questions. Dans la bonne littérature. Encore une fois, la mauvaise littérature, il y a les personnages bons, les personnages mauvais. Et vous n'avez pas à choisir, parce que tout est présenté, digéré, mis sur le plateau pour vous. Oui. Étiqueté. Étiqueté. Oh, il y a une... On attend que la dame pose sa question. Excusez-moi, madame. Est-ce que la moteur principale de la création littéraire, est-ce que c'est vrai que c'est la douleur et la souffrance? Si on prend l'exemple de Don Quixote de la Mancha, qui est une obra d'exilio, c'est-à-dire c'est une œuvre qui a été écrite en exil. Oui, votre question ouvre un panorama énorme, et merci pour l'espagnol excellent que vous avez parlé. Oui, il y a des œuvres maîtresses qui ont été écrites en exil. Le Quichotte n'a pas été écrit en exil. Il a été conçu quand Cervantes était en prison, mais après il a écrit chez lui. Dante, par contre, a écrit la Divine Comédie en exil, et beaucoup d'autres écrivains. On se demande quelle bibliothèque ils portaient dans leur tête pour pouvoir faire ces œuvres. Quant à la douleur, la souffrance... il y a une tradition très ancienne qu'on écrit à partir de la souffrance. Et c'est vrai si nous devons réfléchir comme lecteurs aux œuvres que nous aimons, que nous considérons importantes, vous allez voir que vous n'allez pas trouver de nombreuses œuvres heureuses. J'en connais 4 ou 5. Mais je peux citer une centaine d'œuvres tragiques qui vous étreignent le cœur. Je ne sais pas pourquoi la douleur alimente l'imagination d'une façon plus forte que le bonheur. Mais j'entends la douleur imaginatif, la douleur, le bonheur imaginatif, parce qu'il y a des écrivains qui étaient heureux toute leur vie et qui ont écrit sur la souffrance de façon exquise, et des écrivains comme Stevenson que j'avais cité, qui toute sa vie était malade avec des souffrances atroces et qui a écrit une des œuvres les plus joyeuses de la littérature. Merci. On prend encore 2 questions. Oui, merci, monsieur Landais, de nous avoir offert ce beau moment de littérature. Vraiment, c'était très agréable. Je voudrais vous poser 2 brèves questions. La première, vous citez souvent une phrase de Borges qui dit l'écrivain écrit ce qu'il peut et le lecteur lit ce qu'il veut. Oui. Ne pensez-vous pas véritablement que le lecteur, lui aussi, a une grille de lecture qui l'emprisonne quelque peu et qui vient de son héritage personnel, et que l'écrivain, de la même façon, disons dans les sens proposés, exerce une liberté à travers son écriture. Ils sont contraints, à mon sens, tous les deux, et je voudrais avoir votre avis sur ce point. Alors, je vous réponds à cette question d'abord, parce qu'après, je vais l'oublier. J'ai une mémoire qui se perd. Borges parlait de l'aspect technique de la lecture et de l'écriture. L'écrivain, avec les meilleures intentions, avec une imagination débordante, il n'arrive à faire que ce qu'il peut faire, ce que la technique lui permet
ce que son inspiration lui permet et surtout son art, son style. Tandis que le lecteur, si bien vous avez raison, est limité par ses pouvoirs. Moi, je suis incapable de lire Lacan. Excusez-moi. J'en sais quelque chose. mais en même temps, j'ai le choix. Tandis que l'écrivain n'a pas le choix. Si je me mets à écrire, je dis, bon, je veux écrire Hamlet. Eh bien, sauf si je suis Pierre Ménard et j'écris Hamlet mot à mot, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas ce talent de Shakespeare. Je dirais que moi-même, si on me demande, je dirais que je continue à être lecteur, que l'écriture est aléatoire, que si on m'empêchait d'écrire, ma vie ne changerait pas grand-chose, mais si je m'empêchais de lire, je mourrais. Je me suis mis à écrire par conséquence de mes lectures. Mes premiers livres, Le dictionnaire des endroits imaginaires avec Gianni Guadalupe, étaient le fruit de nos lectures des voyages imaginaires. Le deuxième livre, qui était une histoire de la lecture, était une façon de définir ma condition de lecteur. Ainsi de suite. Et même quand j'écris des romans, j'écris comme une réponse à quelque chose que j'avais appris dans les livres. Par exemple, mon premier roman qui s'appelle « Dernière nouvelle d'une terre abandonnée », qui traite de la guerre d'Algérie, vient du fait que j'avais appris que les tortionnaires militaires argentins avaient appris leur métier des tortionnaires français de la guerre d'Algérie, qui sont allés directement leur apprendre le métier. Non. J'étais tellement effaré que je me suis dit, il faut que je raconte ça, et j'ai raconté ça dans un roman. Donc, tout vient de ma bibliothèque. Et en fait, si je devais être honnête, j'enlèverais mon nom de mes livres et je mettrais bibliothèque comme auteur. Adné, ça sera la dernière question parce qu'il faut qu'on... Oh. Pardon. Merci beaucoup, monsieur. J'aurais juste une petite question à vous poser. À la lecture, à l'activité de la lecture, vous avez consacré une histoire, une des histoires possibles qui était possible d'écrire sur ce sujet. Et de cette histoire, il m'a semblé malgré tout qu'une éthique est toujours attirée, dans la mesure où l'activité de la lecture, au final, c'est une leçon d'humilité devant les choses, devant le monde, mais aussi devant l'histoire des hommes. Ma question, est-ce que vous pensez malgré tout que de la lecture, une érotique, ne serait-elle pas aussi attirante ? Très bonne question. Donc, si j'ai bien compris, vous avez reconnu dans mon histoire de la lecture, qui est une histoire de la lecture, une certaine éthique. Vous voulez savoir s'il y a aussi une érotique de la lecture. Eh bien, absolument. Absolument, parce que il y a d'abord une tradition de lire avec le corps entier. Par exemple, au Moyen-Âge, on touchait les pages, on sentait l'odeur du parchemin. On laissait, par exemple, vous savez, dans les écoles coraniques comme dans les écoles talmudiques,
l'enfant apprend à lire avec des lettres écrites en, avec du miel, parfois écrites sur un œuf dur, et donc l'enfant l'ingeste après, parce que on doit lire avec le corps entier. Mais ça va au-delà de ça, le plaisir de la lecture. Le français est une langue qui est très penchée vers l'érotisme, et donc on parle de jouir de la lecture. On parle d'apporter un livre au lit, de lire entre les draps. Et tout ça montre jusqu'à quel point la lecture est une activité érotique dans les deux sens, l'érotisme physique et l'éros, l'amour, une action d'amour. La lecture est un acte d'amour. D'union. Traduire, entre traduire, c'est trahir, et traduire, c'est faire passer des âmes, des plus longues à une autre, des plus longues à vous-même, vous avez écrit en plusieurs langues. Comment traduire peut inciter à cette augmentation des appuis? J'ai découvert récemment une chose que vous savez tous peut-être, mais je ne le savais pas. Que métaphore et traduction sont le même mot. C'est-à-dire, en grec et en latin, ça veut dire apporter une chose d'un endroit à l'autre. Et dans ce mouvement, le texte qui change tout ne change pas. Change de mots, change de vocabulaire, change de grammaire, change de syntaxe et de musique, et devient à l'autre bout la même chose. Je crois que la traduction est l'acte de lecture le plus profond qu'il peut avoir, et que le traducteur connaît le texte beaucoup mieux que l'auteur lui-même. Absolument. Un acte érotique qui, heureusement, la littérature n'exige pas la monogamie. Donc, vous pouvez être polygame en littérature. Et donc, le traducteur partage avec l'auteur ce texte amoureux. Bien. Mais cela fait que dans cet acte, il y a quand même une transformation. Si on arrivait à comprendre ce qui change, ce qui ne change pas, je crois qu'on découvrirait ce qui est la littérature. À ça, je n'ai pas une réponse.